Et yo tout le monde, c'est Auré pour mon tout premier tuto sur Zenmodeler 3. Donc c'est mon tout premier tutoriel sur Zenmodeler 3 pour vous apprendre, et oui je dis bien vous apprendre, à convertir un modèle. Donc comment je fais? Donc on m'a posé beaucoup la question sur Twitter, Discord aussi, beaucoup sur Discord, et sur mes messages privés YouTube. Donc on m'a... Bon, un petit peu spam, on va dire ça comme ça. Donc comment je fais pour convertir mes modèles? Donc je dis par exemple le trafic, le partner, le berlingot, mais bah tous mes véhicules que j'ai fait. Donc déjà je tiens à dire que ce modèle-là, donc il sera pas publié, donc j'ai déjà fait un tutoriel. Un tutoriel pardon. J'ai déjà fait ce véhicule-là pour la gendarmerie. Donc j'ai déjà fait un petit épisode dessus, donc je vais l'afficher à l'écran. Ou dans ou en haut à droite sur mes notifications, je vais voir au montage. Ce véhicule-là sera pas publié en civil, à moins que si je me décide. Donc voilà, voilà. Donc aujourd'hui, il y aura plusieurs parties. Donc là, c'est la première partie, donc la partie 1. Donc voilà. Donc je tiens à dire que là, je suis sur la version payante. Voilà. Donc ça marche juste sur la version crack, mais la version crack, je vous le conseille pas. Car vous allez pas avoir tout ça. Donc par exemple si je fais ça, pardon, vous n'allez pas avoir ça, vous allez avoir que GTA, Toggle ou Effector il me semble, je sais plus. Vous n'allez pas avoir tout ça. Bon, voilà. Bon, je vous conseille d'avoir la version payante. C'est 35 ou 39 dollars par an ou par mois. Donc je remercie la Sadoge de m'avoir payé la licence pendant, voilà, je vais pas dire pendant combien de temps. Donc merci beaucoup à la Sadoge. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis dev avec eux pour leur serveur US et bientôt leur nouveau serveur qui va sortir. Donc voilà. Donc merci beaucoup à eux. Voilà, désolé pour le micro. Alors aujourd'hui, donc je vais vous montrer donc comment convertir ce Dacia Duster. Donc voilà, donc c'est un petit Dacia Duster que j'ai trouvé sur GTA Inside, il me semble. Donc qui est pas une lock. Donc je l'ai pris sur Zenmodeler 2. Je vous ferai bientôt peut-être un petit tuto. Et comment mettre un fichier attendez je sais plus si mais je sais plus c'est quoi comme fichier, donc je vais regarder ça tout de suite. Donc tuto 1.dff sur Zenmodeler 3, donc c'est tout simple hein. Donc je vais bientôt vous faire un petit tuto. Donc voilà, donc aujourd'hui on va commencer tout de suite. Donc vous allez arriver sur ces pages. Donc déjà sur Zenmodeler 2 vous devez les mettre en point Z3D. Voilà. Donc Zenmodeler 3 il prend que les fichiers Z3D, OBJ et d'autres fichiers, mais je sais plus c'est lesquels. Donc voilà, donc moi je l'ai pris en point Z3D, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai créé un petit fichier tuto, voilà, en point Z3D. Donc vous voyez la différence entre DFF et Z3D, donc 21 000 et 7 000, donc voilà. C'est un peu logique. Et aussi vous allez avoir j'arrive pas à parler, excusez-moi, vous aurez besoin d'un fichier texture. Donc si le reste c'est un tuto qui va arriver très prochainement, même si je la ferai quand même. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Donc déjà, vous avez déjà remarqué que la roue était à droite, pardon, excusez-moi. C'est pas le premier choix, mais moi, à chaque fois que je fais un véhicule de San Andreas où je jouais, je mets toujours la roue à droite. À gauche, oh là là, la roue à gauche, excusez-moi. Parce que GTA V prend toujours les roues à gauche. Voilà. Je vais vous expliquer ça plus tard. Donc vous allez vous mettre déjà la save. Donc ça commence déjà bien. Donc vous allez déjà aller sur la vue left. Voilà. Donc vous faites ça. Oup. Vous faites ça. Raid par exemple. Et vous vous mettez en vue left. Voilà. Je vais laisser la vue right. Voilà. Donc vous allez en vue left. Vous prenez. Donc vous allez dans Modify Mirror. Vous allez du côté de la roue et vous faites un petit clic gauche. Et là, par magie, la roue est à gauche. Voilà. Donc c'est tout simple, hein, mais pour les débutants, je sais que moi j'ai beaucoup galéré. Hein. Donc voilà, donc j'ai commencé par là aussi. On va déjà commencer par les Material Browser. Voilà. Donc les Material Browser, c'est tout ce qui est texture. Donc voilà, par exemple, ça c'est la texture de le du ouais, du pneu. Donc voilà, on peut décocher. Ah. Ok, bon, ça a déjà crash, j'ai l'impression, effectivement.
Allez, ça commence déjà bien, hop. Des fois ça peut bugger, donc c'est normal, hein. C'est pas un... Attendez, mais ne me dis pas que j'ai crash. On va recommencer. Attendez, je vous fais une petite pause et je vous retrouve juste après dès que je suis sur Zemo de l'ordre. A tout de suite. Re les amis. Donc là, j'ai pris la texture de base. Voilà. Donc, bon, attendez, je vais éteindre le Discord parce que hop. Attendez. Voilà, d'éteindre. Voilà. Donc on refait la même manip que tout à l'heure. Et là, comme par magie, puis donc la technique. Pour ceux qui veulent, à chaque fois, au lieu de faire ça. Attendez. Ça. Modifiez déjà le premier browser et éteignez votre Zemo Lord 3 et rallumez-le avec une save. Comme ça va déjà tout mettre les textures. Ça, c'est la meilleure technique que je fais moi à chaque fois. Donc, on va déjà commencer. Voilà, donc prot, c'est la texture du pneu. Donc, on va faire donc le petit matériel browser. On va faire dans GTA. Véhicule générique, véhicule tir. Donc, véhicule tir, c'est. Le matériel pour que en jeu, pour qu'en jeu bah vous avez la roue, voilà, la texture de la roue. Donc là j'ai déjà mis quelques textures que j'ai trouvé, donc attendez, hop, des fois quand ça crache comme ça, mettez par exemple une page Google ou un truc comme ça. Donc moi j'ai mis texture de Véchar, donc la texture du pneu elle est là, et moi j'ai mis ces deux là, ces trois là pardon, ces quatre là. Donc, voilà. Donc là il faut par contre bien mettre le fichier texture ou la passe. Donc là en l'occurrence c'est véhicule Wildback, mais moi c'est pas, il est où, il est là. Donc voilà, la texture a bien changé, hein. Donc attendez, est-ce que là je vais essayer de mettre la texture. Attendez, je vais aller dans mon fichier roue, voilà, roue. On va faire ça. Pourquoi il me dit que je l'ai déjà? Ah, il est là, masse. Voilà. Donc ça, c'est une petite texture pour la mettre un petit peu plus foncée que d'habitude. Hein, mais bon, c'est comme vous voulez. Et le UNV. Voilà. Ça, c'est le plus important. On va passer au deuxième. Donc ça, à mon avis, c'est d'être le... Ouais, donc la deuxième jambe. Donc la même chose. Tout ce qui est véhicule, châssis... châssis, roue, etc. C'est toujours le même truc. Voilà. Donc, par exemple, là c'est toujours le même. Et là c'est toujours tir. Donc on va faire tir side. Il est là. Voilà. Donc vous voyez là c'est nickel. Par contre, ça va m'embêter qu'à chaque fois je dois mettre le NV. Le petit il le met automatiquement. Mais là non, il a pas envie. On va mettre ça. Voilà. Comme vous voyez, c'est un peu plus beau. Le scribo, donc ça c'est le milieu. Donc vous voyez, il a plusieurs parties. Hein, c'est, ça met beaucoup beaucoup de temps à convertir ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que des fois j'ai fait pas de vidéo ni de live parce que je suis en train de convertir quelque chose. Et là, puisque les cours viennent de reprendre, bah là j'ai plus beaucoup de temps à faire ça. Ouais. Donc désolé pour le manque de vidéo. Alors scribo, on va faire ça. On va supprimer ça. Et on va mettre scribo. Non. Ah non, oui. Pourquoi il m'affiche ça, lui? Bah là, du coup, on va mettre le black normal. C'est un peu bizarre que ça me fait ça. Je vais regarder dans mon fichier que j'ai mis au début. C'est un peu bizarre que ça me met ça. Je vais regarder ça plus tard. Par contre, je viens de remarquer, j'ai complètement oublié le E, le véhicule smack pop. Voilà. Donc vous voyez mon fichier Z3D, il est tellement gros que je m'y retrouve même plus. Il fait un peu plus de 75 Go, donc vous voyez le bazar. Hein. Donc vous voyez la différence, hein. C'est un peu plus meilleur. Hein. Donc voilà, value. Alors ça c'est le CDM, c'est quoi ça? Ah ok, c'est ça. Donc on va mettre détail 2. Donc, là, par contre, faites gaffe si vous avez la version payante, décale 2 et détail 2. La première fois que j'ai eu la version payante, j'ai vraiment tout décalé, j'ai mis décalé 2 en jeu, ça donne un rendu dégueulasse. Donc méfiez-vous quand vous allez faire ça avec la version payante, mais quand vous serez la version crack ou gratuite, vous aurez juste détail 2. Alors, CD1... Il est là. Ah, oh là. Il m'affiche un autre truc.
Non, bizarre. Donc du coup, là, on va mettre le bac normal, donc tout ce qui est détail 2, etc., etc. Si tu gères avec le bac normal, après, moi, je mets toujours ça. Mais après, c'est semble qu'il y a une autre texture, si je me trompe pas, mais moi, je l'utilise pas. Parce que je l'ai pas, voilà, tout simplement. Donc le black, à mon avis, c'est d'être, voilà, tout ce qui est intérieur, extérieur. Donc détail 2 aussi. Hein. Voilà, détail 2. Voilà, on retire le blanc. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois, le gris. Et on met black. Black normal. Vous voyez déjà, ça ressemble un petit peu à un véhicule là. Le misc, donc ça, ouais. Non, est-ce que ça. Attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en détail 2. Il me semble que je l'ai mis en intérieur 2, mais non, je vais mettre en détail 2 celui-là. Parce qu'en fait, s'il a quelque chose qui est en intérieur et qu'il a un truc à l'extérieur, il faut toujours le mettre en détail 2. Même si c'est, même si en jeu ça va pas vous rendre un gros truc. Mais moi je l'ai mis toujours en détail 2, donc voilà. Donc vous voyez, ça commence déjà à ressembler à quelque chose, hein. Le petit logo. L'intérieur, voilà. Donc voilà. Alors, on va continuer, hein. J'ai pas vous laisser en plan. Le tuto va durer entre 20 et 30 minutes en maximum. Parce que j'ai pas vous faire un trop long tuto. Un trop long, pardon, tuto. Donc ça, c'est en détail 2. Voilà. Vous voyez, c'est très complexe, hein. Donc, si vous aimez bien, lâchez un petit pouce bleu. Et dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de tuto. Si vous voulez que je continue à faire ça. Parce qu'on m'a énormément demandé à faire ça. Donc, enfin, je me suis dit, ok, je vais faire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Ça c'est ok. Le mat, on va s'en occuper pardon, plus tard. Le duster, donc ça, ah, c'est la plaque. Donc, moi, il a une plaque duster, mais moi j'ai pris ma plaque d'habituel. Donc, avant, sur la version crack payante, je mettais toujours licence plate. Donc, là, je peux pas vous montrer ce qui est assez. Non, il y est pas. C'est licence plate. Et moi, à chaque fois, quand je débutais, je mettais toujours ça. Mais non, en fait, c'est détail 2. Donc là, je vais mettre ma texture. S'il te plaît. Voilà. Ma texture qui plate une. Voilà. Alors, bleu, normal. Voilà. Vous voyez, ça fait pas, ça fait pas un rendu dégueulasse. Hein, voilà. Le wood. Donc ça, c'est l'intérieur, il me semble. Si je me trompe pas. Bingo, c'est l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est l'intérieur du. Donc tout ce qui est intérieur, c'est intérieur 2. Après, il a des tutos que j'ai vus. Des modeurs converteurs, etc. Conversion, pardon. Qui disent qu'il faut mettre en détail 2. Mais moi, je trouve qu'en jeu, ça fait un rendu juste dégueulasse. Donc moi, je le laisse en intérieur 2. Donc wood, voilà. Donc là, il n'a pas besoin comment ça s'appelle? De black normal. Donc là, vous voyez qu'on n'a pas de volant. Donc ça se peut que dans vos modèles que vous prenez, il a pas de volant. Mais moi, je vais prendre le volant que j'ai mis. Donc c'est celui du Dark Athos qui m'a fait sur. Il m'a fait où ça déjà? Je sais plus. Je sais plus du tout. Il me semble sur le Kangoo, le tout premier modèle qu'on a fait. Donc j'ai fait avec Dark Athos. Donc merci à toi si tu regardes cette vidéo. Donc là. Ouais. Alors attendez. Le problème, c'est que là, on n'a pas les vitres. Et là, si je vous montre ça. Ah, ça me le fait pas. Je me suis fait troll. Oui, je me suis fait troll. Voilà. Je vais fermer ma tronche maintenant. On va continuer. Donc, tile, ça doit être toujours l'intérieur. Ça, si je me trompe pas, ça doit être les sièges. Non, c'est l'intérieur. Donc, quand votre vue elle bug, voilà, vue front, vue 3D. Donc, quand vous faites le Metal Bowser, mettez-vous en vue 3D, hein. Mais par contre, pourquoi ça bug à chaque fois? Pourquoi ça bug? Vite hop. Donc, voilà. Nickel. Voilà. Donc là, j'étais où? J'en étais tile. Donc là, c'est intérieur 2. J'ai une véhicule générique intérieur 2. Bingo. Tile. Voilà. Je sais, moi, mon accent anglais, j'ai dégueulasse. Hein, voilà. Donc la petite texture qui est là. Donc là c'est tout ce qui est intérieur, donc il me semble ça doit être le compteur ici, donc ça c'est intérieur 2 aussi, c'est la même chose. C'est le compteur. Donc là c'est tout devant, ouais c'est ça.
Oh. C'est pas ça? Ah non, c'est pas ça. Attendez. C'est ça? Non. Si. Voilà. Excusez-moi, je me semble bien, je me suis trompé quelque part, donc voilà. Donc là aussi c'est l'intérieur 2, donc là c'est. C'est. Vous allez vous dire c'est très simple, mais attendez, les autres parties, vous allez moins faire les malins là, parce que là. Début moi aussi, je me suis dit mais c'est juste que ça. C'est juste ça, mais non. Non 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 non. Faut faire des Jimmy Helper, donc je vais vous expliquer ça plus tard. Le 76, donc ça doit être un petit truc. Ah bah il est là, bon. Donc là c'est véhicule light, voilà. Donc véhicule light. Ça doit être une lumière je pense. Et là on va mettre. On va retirer déjà la couleur. On va mettre en blanc normal. Et on va mettre. Bah voilà. La save. L'autosave. Donc véhicule. Donc c'est ça. Bingo c'est ça. Donc ça fait. Je sais pas trop c'est quoi en fait ça. Mais bon. Ouais. Par contre, on va mettre le ENV qui est déjà mis. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais rajouter ça après. Donc, ça va vous mettre ce ENV là, tout simple, qui est de base. Mais je vais vous montrer comment on met ce ENV là. Voilà. Donc, ça, bon, ça c'est. Je sais pas, je vais regarder ça plus tard. Ça c'est quoi en fait? C'est quoi 76? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver. Bon, on va déjà mettre les vitres, comme ça on est tranquille pour tout le reste. Donc, l'affiche black, voilà. Donc, ça, c'est les vitres, toutes les vitres. On va faire verglas. Merci. Véhicule verglas. Voilà, donc vous voyez la texture est juste dégueulasse. Voilà. On vous est pas obligé de mettre la texture. Je vais vous mettre un lien dans la description qui est le glass.dds. Voilà. Et là, vous voyez, vos vitres sont meilleures. Voilà. Je viens de remarquer qu'il y a un petit reflet. Je regardais ça en off pour regarder. C'est bizarre. Donc voilà, comme ça, nos vitres sont déjà faites. Donc du coup, il reste plus qu'à faire ça. Voilà. Donc c'est ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà, on va mettre ça. Donc véhicule light, on va mettre ça. Par contre, vous allez vous dire, mais non, en light, mais non, on va mettre en light émissive pour que les phares s'activent bien en jeu. Je vous ferai ben, dans le tuto, je vais vous montrer plus tard comment on fait, mais là, je vais pas vous le montrer. Donc là, je vais me prendre un autre truc. Parce que moi, j'ai un autre truc spécial qui est, je sais pas si il est dans les véchards, mais il est pas, je sais pas s'il doit avoir les chars, mais je pense pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là aussi, on va mettre en véhicule light émissive. Voilà. On va retirer le petit blanc. Et on va mettre ça. Oula. Par contre, on va plutôt prendre celui-là. Ok, donc si je me trompe pas. Bon, c'est pas grave, il l'a mis automatiquement, c'est un peu bizarre. C'est pas grave. Donc là, c'est les autres phares. Donc là, on va mettre en light. Light émissive, ouais. Et là, on va faire ça. Et là, c'est en light. Et là, on va prendre ça. Pourquoi il me l'a pas mis? On va mettre un véhicule light. Voilà, c'est ça, véhicule light. Donc celui-là, tout ce qui est clignotant arrière, etc., c'est light. Voilà. Ouais, la texture est pas dégueulasse. Voilà, donc nos phares sont activés. Sauf ça, je sais pas si du tout c'est quoi ça, ça doit être. C'est quoi ça? C'est bizarre. Donc les phares. Alors, ça, si je me trompe pas, c'est en détail 2. Je sais plus du tout. Phare. Allez, hop.
Block map, s'il te plaît. Oh si, c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Le 2, donc ça c'est l'avant. Donc ça c'est détail 2. Voilà, allez hop. Détail 2. Donc ça c'est 2. Voilà. Donc en blanc. Et le bloc map. Et ça c'est l'intérieur 2. Voilà, intérieur 2, les sièges. C'est très important. Vous pouvez les mettre en détail 2, mais pour pas de problème, moi je le mets toujours en intérieur 2 comme ça. C'est pour moi la meilleure technique. Voilà. Pas la meilleure technique, mais bon. C'est plus simple pour moi, donc vous voyez la texture des CS. Elle est vraiment pas mal, j'aime bien moi. Franchement, j'aime bien. Donc on a fini. Mais par contre, le 76, c'est un peu bizarre, je le trouve pas. C'est pas grave, je vais essayer de le trouver en off. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici, donc sur la première partie. Je vais vous retrouver à la deuxième partie très prochainement. Et donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas, hop, je save. Je vais pas faire la suite sans vous, hein, voilà. Ne vous inquiétez pas. Donc voyez ça maintenant. On va tout supprimer. On va supprimer la partie. Et après on va modifier tout ça dans la prochaine partie. Donc merci de m'avoir suivi pour cette vidéo et surtout ce tuto. Qui m'a été aimant et les trois. Qui m'a été beaucoup demandé. Donc je vais vous dire à très bientôt. Et salut les amis.